Les exportations de chaussures, de vêtements et d'automobiles du Nigeria se sont effondrées alors que l'industrie non pétrolière naissante du pays est à court de dollars pour emporter des matières premières. IVM, principale usine de montage de véhicules du pays, a dû renvoyer plusieurs employés en raison d'un manque de pièces en provenance du Japon, la Chine et l'Allemagne qui représentent une grande partie du contenu des véhicules qu'ils produisent. L'année dernière, notre capacité de production était de 4000 véhicules pour tous les modèles. Cette année, nous avons prévu obtenir jusqu'à 6000, mais malheureusement, à cause de la question des taux de change, l'approvisionnement en devises étrangères, eh bien, nous n'avons pas beaucoup bougé. Dans la ville sud-est d'Aba, plus de 2000 cordonniers ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas payer la colle importée ou le cuir synthétique. Beaucoup d'entre eux en ce moment utilisent des kékés, okada, ce type de moto. Certains d'entre eux ont rejoint d'autres vocations. Initialement, dans les années 70-80, si vous veniez ici en courant porteur, cet endroit était en plein essor avec une foule de travailleurs. Les chiffres du PIB de ce mercredi ont confirmé la baisse de la plus grande économie du continent en 25 ans. La Banque centrale a incité les banques à accorder plus de prêts aux petites entreprises, un risque pris par peu de prêteurs.